faire. Namir, regarde-moi. Est-ce que tu as peur? Namir, réponds-moi. Oui, j'ai peur. Il n'y a qu'un seul moyen, un seul moyen de vaincre la peur. C'est de s'armer de courage et de l'affronter. Oui, père. Allez chez mon ami. Il vit à Daesung. Il s'appelle Kim Moo-seo. Tu as compris? Papa, je veux rester avec toi, papa. Je veux pas partir, papa. Papa. C'est toi son père à présent. D'accord? Protège-la toute ta vie. C'est bien compris? Oui. Lève-toi. Allez-vous-en, les enfants! Vite! Retrouvez-moi ce traître! Ne les laissez pas s'enfuir! Cours! Dépêche-toi! Allez, viens! Papa! Ils sont là! Don, je veux retourner l'aider! Cain, arrête, voyons! Cain, calme-toi! Tu n'as pas compris qu'il me l'avait confié! Je veux y retourner! Laisse-moi! Retourne en là-bas! Il a besoin de son arme! Oh, Nami! S'il te plaît, non! Il faut qu'on retourne l'aider! Étiez-vous encore là quand il est mort? Tu dois être Jane. Est-ce que il a dit quelque chose avant de mourir? Introniser un roi sans tenir compte des conséquences diplomatiques mène à la guerre.
Le sort du pays ne tient plus qu'à un fil à présent. Prends soin de l'arc jusqu'à ce que mon fils soit grand. Haute montagne, queue de tigre. Que Dame Kim leur fasse préparer des vêtements propres. Oui, maître. Mettez ces vêtements. Il vous est interdit de traîner partout. Vous ne devez pas parler aux inconnus, sous aucun prétexte, à moins bien sûr qu'on vous dise de le faire. Est-ce clair ? C'est toi son père à présent. Protège-la toute ta vie. C'est bien compris? Sommes-nous? Comment ça? Qu'est-ce que tu... C'est un piège à tigre. Attends un peu, on l'emmène. Où? Mais vite alors. Allez. Attends. Tu as entendu? Tigre, où est passé ma dulcinée, mon âme?
mon amour, oh tigre, mon... L'autre jour, je suis allé dans le meilleur bordel de Gaesong. Eh ben, il n'est pas à la hauteur de sa réputation. Vous pouvez me croire. Ah bon? Pour moi, la plus belle de toute la ville, c'est Jaïn. Aucune autre ne peut éclipser sa beauté, je te le dis. C'est vrai. Elle pourrait avoir des tas de prétendants dans tous les pays si seulement elle en avait envie. Resservez-vous et arrêtez de dire des bêtises. Pour moi, Dame Kimator. Non, je la trouve injuste avec Jaïn. Je suis désolé, mais franchement, Mademoiselle Jaïn est un bon parti pour son fils. Un très bon parti, oui. Elle est toujours vêtue de façon très élégante. Et pour couronner le tout, Nami, on peut dire que... qu'elle est d'une exceptionnelle beauté. Le jeune maître à côté n'a pas autant d'atouts. Ça, c'est vrai. Je t'ai dit d'arrêter. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Il a raison, arrête. Tu es au courant de la situation. Ah, mais enfin, j'ai rien fait d'autre que d'exprimer mon avis au sujet d'une injustice flagrante. La ferme, Gangdu! Pauvre idiot! Je disais ça dans ton intérêt. Hé! Tu m'as allez, insulté. Allez. Tu m'as traité d'idiot! Viens là! Mais arrête enfin! Tu te crois moins meilleur que moi que tu te permets de m'insulter? Attends un peu! Je vais lui arracher la mâchoire, ça lui apprendra! Oh, il a besoin d'une leçon! Va au diable, Nami! Attends, je vais... Mais enfin, calmez-vous! Lâche-moi, toi! Tiens, oh, ça! Pousse-toi! Calme-toi! Je vais tuer! Tiens! Espèce d'avorton! Mais arrêtez! Ça commence à bien faire, vous deux! Arrêtez ça! J'étais passé pour voir si je pouvais prendre un verre avec vous. Bonsoir, maître. Est-ce que ça vous ouvre l'appétit de vous battre comme ça? Pourrais-je savoir ce qui a provoqué cette bagarre? Qu'est-ce qui t'amène à une heure pareille? Hein? Viens là, je t'offre à boire. En fait, je crois qu'un changement de décor nous serait profitable. Si nous allions dans un lieu plus douillet. Un gentil garçon comme toi connaîtrait ce genre d'endroit, hein? Écoute, fais-moi confiance, je t'assure. Cet alcool est exceptionnel pour un bordel. Cette maison est connue pour la grande qualité de ses spiritueux. Et c'est rafraîchissant, tu trouves pas? Doucement. Attends. Si tu permets. Quoi? Eh bien, en fait, j'aimerais assez te servir à boire, mon frère. Mon frère? Alors, je peux? Ah, tu fais enfin preuve à mon égard d'un peu de respect. Je t'ai fait venir ici parce que je souhaitais te parler d'une chose importante. Je compte demander à Jaïn de m'épouser. Quoi? Tu es son tuteur, Nami. Donne-moi ton accord, je t'en prie. Dame Kim est au courant? Et le maître? Je saurai convaincre mon père. Regarde-moi. Je suis sérieux. Je l'aime vraiment.
S'il te plaît, donne-moi ton consentement. Fais-le au nom... Fais-le au nom de notre amitié. On a toujours été proches, non? Qui te dit que nous sommes amis? Eh bien, moi, je le dis. Aurais-tu perdu la raison? Hein? Nous sommes une famille. J'ajoute que tu es dérangé si tu comptes sérieusement épouser la fille d'un traître. Tu veux sacrifier ta vie? Non. Je sais bien que tu as des réticences et je te comprends. Mais je t'assure que j'arriverai à convaincre ma mère. Nous vivons tous sous le même toit, et depuis tant... Et pendant tout ce temps, ta mère a dû supporter cette terrible situation. Elle a dû élever les enfants d'un traître au sein de son foyer. Et toi, tu voudrais à jamais prolonger le supplice qu'elle a enduré toutes ces années, et crois-tu que Jaïn supportera une telle hostilité à son égard? Je ne reviendrai pas en arrière. Je suis bien décidé à l'épouser, quoi qu'il arrive. Et qu'importe ce que diront mes parents, je ferai n'importe quoi pour elle. Tu ferais n'importe quoi. D'accord. Mais je vais poser une petite condition. Hein? Laquelle, Nami? Tu peux me dire... Une seconde! C'est très simple. Tu dois réussir à me blesser. Si tu y arrives, tu auras mon consentement. Mais si par malheur tu échoues, je quitte cette ville avec ma sœur dès ce soir. J'ai du mal. Et je t'éclaire. Je ne te suis pas. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Arrête! Mais regarde-toi! Tu te bats comme une fillette! Je suis le fils d'un grand combattant. Pour l'instant, je me suis contenté de me défendre. Jamais je ne donnerai ma sœur à quelqu'un comme toi. Tu n'es qu'une poule mouillée. Je préférerais encore qu'elle épouse un boucher. Et de loin. Ouais. C'est bon comme ça? Si tu veux bien m'excuser. Nous n'avons pas terminé! Quoi? Arrête! Une beuverie et une bagarre. La vie ne serait donc qu'un jeu pour toi? Oui, père. Je n'attends rien d'autre de l'existence, car le monde est sans valeur à mes yeux. Il y a 13 ans, nous t'avons accueilli dans notre foyer. Et qu'as-tu fait de ces 13 années? Absolument rien. Tu as négligé tes études. Et tu t'es laissé aller à l'oisiveté. Oui. Pourquoi suivre des études? Je ne peux servir à la cour, ni défendre mon pays. Tout ça à cause de mon père. Parce qu'il a trahi. Je me contente de vivre au jour le jour, en attendant la mort. Assez! Ton père a été toute sa vie un serviteur loyal de son roi. Oui, c'est toute bon. Toute sa vie. Je le sais. J'ai d'ailleurs très bien vu comment on avait récompensé sa loyauté. Franchement, pourquoi se démener? Nous sommes tous condamnés à subir le même sort. N'est-ce d'ailleurs pas la raison qui nous a fait nous terrer en province? Comment oses-tu? Si vous en avez terminé, j'aimerais retourner boire avant de dessouler complètement. Est-ce que tu sais que c'est moi qui ai donné son nom à ta sœur, et que ton père a choisi le nom de mon fils? Je consens au mariage de Jaïn.
haute montagne, queue de tigre. Tiens le haut comme une montagne et tire sa corde en l'enroulant comme la queue d'un tigre. Utilise plus ton coude et un peu moins le poignet. Qu'est-ce que tu fais dehors aussi tard? Tu ne devrais pas être là. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Oublie ce mariage, tout cela est vain. À moins que le roi ne perde son trône ou que le pays soit envahi, il n'y a aucun avenir pour les descendants des traîtres, Jaïn. Et au final, tu souffriras. C'est peine perdue. Pourquoi t'es-tu enfui? Si c'est pour vivre cette existence, nous aurions mieux fait de mourir. Tu sais, Nami, tu n'es qu'un lâche. Et moi, au moins, je ne vivrai pas comme toi. Tu vas l'épouser sans avoir ma bénédiction? Que fais-tu ici? Tu devrais déjà être à ta place, non? Thank you.
Le marié s'incline une fois. C'est votre tour, monsieur. Oui, allez-y. Vous allez bien? On se demande s'il va pouvoir survivre à sa nuit de noce. La mariée s'incline deux fois. T'as vu comment il sourit? Tais-toi.
Gantu. Gantu. Fumam, protégez le prince! Oh!
Et vu où est-ce qu'il nous emmène comme ça? Avancez! Avancez, allez! Ne soyez pas triste, cousin. C'est la guerre. Des soldats meurent. Nous tenions la ville. Et il s'est échappé. C'est sans doute le meilleur archer que nous avons rencontré dans tout ce pays. Nous étions trop peu nombreux pour encercler toute la ville. Je ne pensais pas que leur arc était aussi puissant. Ils sont comme les nôtres. Même bois, même technique. Ils sont plus courts, c'est vrai, mais... ils sont maniables et efficaces. Ne les mésestimons plus. Jusinta, Wanan, les prisonniers sont nombreux. Je vous félicite, chers oncles. Je vous souhaite un excellent retour, Altesse. Tout est prêt pour votre départ. Rejoignez-moi au plus vite. Nous avons encore beaucoup à accomplir. Vive la Mandchourie! Vive la Mandchourie! Général! Nous sommes prêts à partir! Prends soin du prince, Fuman. À vos ordres, général! Et aussi de nos morts. Bien! Jaïn. Jaïn. Thank you.
Laissez-moi la vie. L'étendard doré, avec un dragon bleu brodé dessus. Réponds, où va-t-il? J'implore votre pitié. Ton sort est lié à ce que tu vas me dire. Ils vont vers le nord. Ils retournent en Mandchourie. Je vous jure, c'est tout ce que je sais. C'est peut-être une milice. Attends-nous. Celle-là. Non, non, oh pitié.
devriez bien voir ça. Tout est allé très vite. Il apparaissait et disparaissait, comme l'éclair. Les flèches pleuvaient sur lui, arrivant de toutes parts, avec d'incroyables trajectoires. Il parle notre langue? Et il serait à la poursuite de l'étendard royal? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Les plumes de ses flèches sont rouges. Comment le savez-vous? Nous ne savons pas qui il est. Mais il poursuit le prince et notre armée. Avant de partir, il m'a dit une chose vraiment étrange. Pourquoi ne m'achèves-tu pas maintenant? Parce que mon but et celui de mon arc n'est pas de donner la mort. Le but de son arc n'était pas de donner la mort. On abandonne la mission. On prend toutes les unités. Inu. Ah, Hundo. Tomoni Gundo. Amashikala. Comme vous le savez déjà, une fois que vous serez passé de l'autre côté du fleuve, vous serez considéré comme des traîtres. Quoi? Oui, même si dès que vous pouvez partir, vous feriez mieux de rester là. Unjachi Tolombi, Susudo Amashigono Kinyalma Tokono. Laissez-le compter jusqu'à 5 et vous resterez en vie. Homo. Jour. Deux. Il a. Que se passe-t-il? Ne bouge pas. Reste tranquille. Annie! Je m'en vais! Retrouve-moi à la maison! Non, ma fille, fais pas ça! Je vais la chercher! Annie! Annie! Chaoui Aninyalma! Suo, Susudo, Podoromomu Tombi! Tamu! Choho Mangi! Noromomu Tombi! Kana! Tu vois, c'était une ruse ignoble pour nous tuer. Oh!
espèce de monstre. Je dois intervenir. Quoi? Il faut que j'essaie de faire quelque chose, tu comprends? Même si je n'arrive qu'à en sauver un. Non, maître! Ils vont vous tuer! Si vous voulez les tuer, il faudra d'abord me passer sur le corps. Thank you.
Ne me blâme pas trop sévèrement de l'avoir perdue. Ne t'ai-je pas promis que je ferais n'importe quoi pour elle? Je sais que Jaïn doit endurer son triste sort avec courage. Tu crois que tu vas t'en sortir? Même si nous avons récupéré la carte de l'ennemi, traverser le fleuve, c'est prendre le risque de passer pour un traître. Le roi qui a abandonné son peuple s'est rendu lui-même coupable de félonie. Préparez celle-là. Tu m'as amené une petite sauvage aujourd'hui. Pardon, Votre Altesse. Enlève-lui ses vêtements. Assez. Qui t'a appris à parler notre langue? Mon défunt père était en poste à la frontière nord. Alors tu connais aussi la grandeur de la dynastie Qing de Mandchourie? Je vous le demande encore, ne jetez pas le déshonneur sur moi. Ton roi lui-même s'est soumis. Comment une femme telle que toi peut-elle considérer ça comme un déshonneur? Vous prétendez être noble alors que vous persécutez vos prisonniers et que vous voulez me faire subir le pire des tourments. Tu vois ça? Cette peau de tigre. C'est mon oncle Juzinta qui me l'a ramenée un jour. Elle me protège du froid, de la chaleur, de la pluie et du feu. Au début, la peau est vraiment très raide. On doit lui faire subir un bon tannage pour qu'elle devienne souple. C'est une pratique que je trouve très amusante en vérité. Qu'elle reste debout, jusqu'à demander grâce. Ah ! Il ne manque que la carte avec le plan d'attaque. Nous devons partir à sa poursuite. Notre arrière-garde s'occupera de leur dépouille. Vos ordres, général.
y est, nous y sommes. Quelle bande d'ignobles sauvages. Non. C'est mademoiselle Jane. Non, maître. Attendons la nuit. Pourquoi attendre? Quelle différence ça peut faire? On peut pas attaquer comme ça sans avoir un plan. Vous avez vu, comme ils sont nombreux, on va se faire massacrer. Moi, j'ai un plan. On enlève leur chef. Hein? Et on l'échange contre Jane. C'est un plan, ça? On s'échappe comment, ensuite? Dès que nous aurons récupéré Jane, nous traverserons le fleuve et on se retrouvera dans cette cabane, à midi. D'accord. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais comment allons-nous faire pour enlever leur chef? Gangdu, j'ai une petite mission pour toi. Hein? Oh, quel ennui. Ce n'est pas drôle, pas drôle du tout. Vos hommes sont lâches et vous n'avez pas d'honneur. Je suis curieux, dis-moi, pourquoi as-tu cédé si rapidement? C'est la faim? Ou la soif? Le désespoir, peut-être. Mon père m'a dit un jour qu'avec la nourriture, on tenait les hommes comme des bêtes. Une fois de plus, je vois qu'il avait raison. Mon père m'a dit une fois que la faim brouillait l'esprit, qu'il fallait toujours aller au combat avec le ventre plein. Tu te prends pour une guerrière, alors? Je suis la fille d'un grand guerrier. Je refuse d'implorer votre grâce à genoux. Mais je refuse aussi de mourir en vain. Sale casse! Petite catin! Il est grand temps que quelqu'un t'apprenne deux ou trois choses. Continue. Allez, n'abandonne pas. Les prisonniers s'échappent. Votre Altesse, Votre Altesse. Laisse-moi. Va-t'en ou je te fais exécuter. Obéis. Mais enfin. Alerte, les prisonniers s'échappent. Par ici. Allez, venez. Avancez! Suivez-les! Qui êtes-vous? Vive la Mandchourie! T'es Mandchou? Mandchou! Attends un peu! Je vois maintenant à quel point les femmes de Joseon sont stupides et entêtées. Tu as l'intention de te battre avec une brochette, hein? Le plan a fonctionné! Oui, nous avons réussi. À présent, il est temps de partir! Je vais devoir vous laisser vous débrouiller. Oh. Maître! Non, maître! Maître! Qu'est-ce que vous faites? Maître! Ils sont là! En avant! Qui diable es-tu? Tu vas bien? Nami? Je suis désolé d'avoir tant tardé. Relâchez le prince. Ou elle mourra.
ma chérie. Répondez-moi, qui êtes-vous? Pas ça, non! Arrête! Arrête! Enculé! Halt! En arrière! Mais tuez-le, bon sang! En arrière! Allez-vous-en! Mais enfin, et toi? Tu te souviens de ce qu'on a dit? Je vous rejoins à la cabane demain midi. Nous t'attendrons, Mamie. Non, tu vas pas rester là, tu dois venir! Ne discute pas! Tu veux mourir ici? Mamie, soit nous partons ensemble, soit nous mourrons tous! Je refuse de t'abandonner! Je t'en supplie. Il est impossible que nous arrivions à partir tous ensemble. Allez-vous-en. Je te jure qu'on se reverra. Tu crois peut-être que tu vas survivre après m'avoir fait ça? Si je me souciais de vivre, je ne serais pas venu. Ne commences-tu pas à sentir la peur s'immiscer en toi? Ton sursis touche à sa fin. Le feu est presque complètement éteint. Je te remercie d'avoir tenu si longtemps. Le prince est mort. Assassiné. Pitié! Il est parti! Dans cette direction! Nos hommes sont à sa poursuite! C'est bon de te revoir. Tu as réussi. Mais Jaïn, le jeune maître, où sont-ils? Ils sont devant nous, normalement. Quelle bonne nouvelle. Le ciel soit loué. Nous devons les rattraper. Les troupes mandchoues vont tout faire pour les retrouver. Tiens, prends ça.
cela. Ce ne sont pas les mêmes soldats. Vous avez vu leurs flèches? Elles sont lestées. Quoi? Comment ça, lestées? Le fer de leur pointe pèse une demi-livre. Ça rend leur arc plus puissant qu'une arbalète. Passons par les bois. Allez! Il faut avancer, allez, bon sang, viens! Nami, je pense qu'il a raison. Allez! Avançons! Ils sont coincés, on les tient. Je le veux vivant. Il faut qu'ils payent. C'est déjà un exploit d'être arrivé jusque-là. Gokdou! Allez-y, je vais les retenir. Gokdou! Allez-vous-en! Non! Gokdou! Fuyez! Gokdou, non! Un tigre. Ils ont les mêmes ici. Je suis trop vieux. Beaucoup trop pour continuer. Gaberong. Gaberong! Sauve-toi! Et prends soin de Jaïn! Et aussi du jeune mec! Oh! Oh! Ah! J'avais emmené l'un d'entre vous avec moi.
Dépêchons-nous, ou nous allons le perdre. Je vais le faire. Mais non. Tu as des ampoules. Ils ont dit que si nous rentrions chez nous, nous allions être châtiés. Je n'y crois pas. Je ne vois pas nos compatriotes faire une telle chose.
C'est pour dissuader les gens de traverser. Mon époux. S'il te plaît, j'aimerais la garder. Bon. Je vais aller nous chercher un peu d'eau. Jaïne. Fais demi-tour. Ah.
Je voudrais savoir, tout à l'heure, à la falaise, pourquoi m'as-tu laissé en vie? Voulais-tu me faire subir une autre humiliation? Je veux te voir souffrir. Découpez-lui les bras et les jambes. Quelle direction? Alors, on est sûr qu'il va par là. Le fleuve est proche. Nous le rattraperons là-bas. Ourao! Ressaisis-toi! Général, j'ai un mauvais pressentiment. N'es-tu pas Manchu? Bien. Tu passes devant.
flèche courte. Elle n'a pas de fer. Il a modifié une de nos flèches. Hélas pour nous, ça ne change rien. Mon frère ! Ourao ! Ne t'approche pas ! Arrête-toi ! Jane.
Jaïn. Si je comprends, tu t'es donné toute cette peine pour la sauver. Tu mesures le vent. Mais je sais déjà comment tu vas tirer. Mesurer le vent ne te servira à rien. Tu avais peur de la blesser. Tu sais peut-être tirer des flèches courbes. Mais la peur a paralysé ton bras et a causé votre perte à tous deux. Maintenant, c'est à ton tour d'assister, impuissant, à la fin d'un être cher. Tu veux la tuer maintenant. Même le vent n'a pas l'air de vouloir t'aider. Thank you.
vaincre sa peur. Il suffit de l'affronter. Quant au vent, il ne faut pas le mesurer, mais le dominer. Qui es-tu ? Toi ? Regarde, j'ai gardé l'autre. Tu avais deviné. Bien sûr, elles sont beaucoup trop grandes. Toi seule pouvais se tromper à ce point. Elles sont trop grandes. Je croyais que tu avais grandi. Pas tant que ça, en fait. Jane. Jane. Retournons chez nous au Séoul. Nous retrouverons notre maison. Et nous mettrons nos souliers de soie. Regarde. Voici notre pays. Nous rentrons chez nous.